bien le bonjour, on est samedi, bienvenue dans un nouveau vlog. Deux jours que j'ai pas filmé, j'avais pas trop envie, donc du coup voilà, c'était sans. Là, les enfants sont dans la voiture et je m'en vais les rejoindre parce qu'aujourd'hui, on s'en va passer la journée chez mon frère. Alors, normalement, c'est vrai qu'en ce moment, quand on est en famille, je filme pas trop. Mais comme j'ai pas filmé hier et avant-hier, je me suis dit que ça pourrait être cool. Je sais pas trop comment je vais filmer, si je vais faire des images ou quoi. Mais bon, au pire, c'est pas grave, vous verrez bien. Et de toute façon, j'avais envie de commencer le vlog parce que demain, c'est le 1er. Et demain, il va y avoir Noël, il va y avoir le calendrier, il va y avoir plein de petites activités de Noël, etc. Donc là, ça fait partie. Pas de Christmas vlog, je vous le rappelle. Parce que j'aurai pas trop le temps, mais j'essaierai de vous faire des vlogs, même s'ils sont plus petits, un petit peu plus réguliers. Nous sommes arrivés à destination. C'est quoi cette lumière? Je suis rouge. T'es rouge? Ah ouais, t'es... Ah ouais. Ah, ça y est, la lumière est revenue. Et bonjour. Et bonjour. Elle connaît pas, on non, est dans le nord. En même temps, ça surchauffe, mon truc de ma clim là. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, ma collection de tasses. Ouais, je sais. Ouais. Salut, ça va? Mon frère. C'est quoi cette coupe de pour cheveux là? Ceux qui ne connaissent pas. Et je suis là. Ah ouais, excuse-moi, c'est vrai que t'es plus petite. La famille B. J'ai eu des abonnés qui sont arrivés récemment quand t'as parlé de que j'avais repris ma chaîne. Ben, aujourd'hui, il y a une vidéo aujourd'hui où je parle de toi encore. Ah ouais. Et en plus, j'ai mis le lien dans la description. Waouh. Je vais mettre le petit lien dans le i. Ouais, parce que... Ah non, pas dans le i. Attends, j'ai mis au moins 20 chaînes. De quoi? Pas dans le i là. Ah ouais, non, mais moi je mettrais le petit lien de ah, ta chaîne. Tu mets des liens comme ça, genre là, juste là. T'es sûr que c'est là? Ouais. Ou c'est là? Non, c'est là. C'est là? Ouais. T'es sûr? Sûr. Donc si je fais 1, 2, 3, le i il apparaît direct. Surtout que. Franchement, t'es une bonne youtubeuse. Ouais, t'as vu? Bon, pour le repas du midi, ça sera pâte à bolognaise. En fait, tu sais comment je me rappelle? Avant, quand j'avais une alliance avant, t'as vu? Mais en fait, je me rappelais que c'était côté de l'alliance. Mais en fait, bon, maintenant, faut pas que j'oublie parce qu'il n'y a plus d'alliance. Donc voilà, donc merci à toutes celles qui sont venues grâce à Romain. Et vous pouvez aller voir sa chaise pour une... Sa chaise. Il n'y a plus de vidéo en ce moment. Il va arrêter YouTube. Je suis handicapé. Il arrête YouTube. Je vais bientôt arrêter YouTube. Ouais, il y en a marre. Moi aussi, je vais arrêter YouTube. C'est la fille qui vient de reprendre. Je suis à 9 vlogs. J'arrête YouTube. Moi, je vais bientôt arrêter YouTube. Je vais me mettre dans le... Bah, je vais arrêter les Attends, vlogs. Il en fait une miniature. Il arrête YouTube. Je vais arrêter les vlogs et je vais me mettre à Mario. Voilà, Mario Super Mario Bros 2. Et non, Super Mario Bros 2 sur DS et je vais me mettre à jouer à ça. Voilà, je sais pas pourquoi elle est dans la cuisine sur cette DS, mais voilà. C'est Pokémon. Bientôt l'arrêt. Hein, 2020. On arrête YouTube. Ouais, c'est vrai, il y en a marre de YouTube. Moi, j'aime les lives. Ça me manque les lives, ça rase. On va se mettre à Dailymotion. Facebook, ça marche bien. Instagram. Je sais pas, ça marche. Mais cet été, ouais, ça marchait bien. À ce qui paraît, faut être bon influenceur. Est-ce que tu as vu cette semaine avec... Ils nous ont pas trop gavé, ces influenceuses, avec le Black Friday? Ah, j'ai pas été... Ouais, non, oui. Bah, j'ai pas trop été, mais le peu où j'y étais hier, surtout. Tu vas sur Instagram, c'est facile, tu vas sur n'importe quel profil. Même n'importe quel profil, hein, même si quand elles sont pas influenceuses, maintenant t'as de la pub. Tu sais, moi j'ai fait des économies grâce au Black Friday. Ah ouais? Ouais, je suis restée chez moi, j'ai rien dépensé. Ah ouais, c'est pas con. T'as vu, mais les meilleures économies de ma vie, quoi. Ouais, Black Friday. Black Friday, tu rachètes toi. Tu rachètes pas de sous. Et c'est bientôt la grève générale aussi. Et non, mais t'as vu genre l'essence et tout? Non. Non, mais genre il y avait des kilomètres de queue et tout. Genre, ils ont cru que c'était gilet jaune l'année, comme l'année dernière en fait. Ouais, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, le jour où il y a... J'y vais en Espagne. Ouais, c'est pas sûr. Parce que de toute façon, moi aussi. Faire les courses, acheter des pâtes. Voilà, racontage de life. 3 minutes, on raconte n'importe quoi. Mais ça faisait longtemps, tu vois, ça fait plaisir et tout, ouais. T'as vu bon, nous, moi, je l'ai vu le week-end dernier, mais les petits, ça faisait longtemps, vous avez pas vu. Ouais, vu cet été. Ouais, ouais. Parce que bah ouais, on nous interdit de les voir en vlog. Bah, Lina, ça la saoule. Parce que... Nous aussi on regarde les vlogs. Ouais, ouais. Et nous aussi on s'installe. Bah, qu'à la base, on s'informe de la famille avec les vlogs. Bah, à la base c'était ça les vlogs en plus. À la base de base c'était pour vous donner des nouvelles de la famille, des enfants à la famille. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on fait avec. Vraiment, si les petits sont un peu déçus, mais bon, c'est pas grave. Puis après, je sais que j'ai des abonnés aussi qui
Le mec chiant. Non mais j'ai des abonnés, tu vois, qui me disent, qui me suivent depuis certaines depuis la naissance de Nolan. Et qui les ont vu grandir en fait, et qui ont du mal à le faire sur Skyblog. T'as pas mal au bras ? Non, c'est parce que c'est l'autre, j'ai mal. Mais en fait, il y en a qui me disent que c'est dommage, ou j'en ai qui regardaient aussi avec leurs enfants, et qui prenaient des nouvelles, qui écrivaient aux enfants, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est vrai j'ai une coupe de cheveux qui ressemble à rien. Quand on a vu des enfants grandir, même si tu les connais pas, ça fait. Là, ils ont pas eu la rentrée. La rentrée, j'ai eu plein de messages en disant ça fait bizarre d'avoir eu la rentrée, d'avoir commencé à s'est passé. Ah, c'est la life. C'est comme ça. On change la façon de filmer. Voilà. Maintenant, filme des tasses. Maintenant, filme des tasses. Filme des grosses touffes. Ouais, je vais y retourner chez le coiffeur. Mais je crois que je vais me couper entièrement. C'est vrai ? Ouais, bon. On arrête les vlogs. On arrête les vlogs et on coupe tous les cheveux. Regardez, j'ai même déjà rasé déjà. Je raconte ma life. L'autre fois, en fait, je cherchais des photos de maman. Alors, du coup, je suis partie sur ton profil Facebook parce que je sais que t'en as plein. Je suis retombée sur la photo de toi avec les cheveux là, mais genre frisés. Mais genre vraiment très frisés. Mais un truc de fou, ils étaient pas genre crépus comme ça. Ils étaient frisés, bouclés, mais longs. Ils sont bouclés aussi mes cheveux. Non mais vraiment des ongles. Oui, quand ils sont mouillés. Quand je et en fait il y avait une photo du coup. Quand je les laisse sécher naturellement, ils sont bouclés. Parce que je cherchais une photo de maman avec des grosses lunettes aussi comme ça en fait. Ouais. Et du coup j'ai eu un tilt en disant ah mais ouais, je crois que ma mère elle avait des grosses lunettes comme ça. Tu fais du montage? Ouais. Et là tu vas tout laisser? Ouais. D'accord. Café aime. Blabla. On vous aime. Petit cœur, vas-y, regarde. En fait, c'est le cœur des familles. On est au confessionnel, en fait, t'as vu. La caméra, elle est posée, genre. Ah, comme dans. Pas là et on parle, t'as vu. Ah Secret ouais Story. Secret Story. Tu connais Secret Story, c'est bien les secrets, non? Hein? Les secrets. C'est bien les secrets, c'est non? C'est bien les secrets. Pourquoi t'as changé de bras? J'étais en train de faire un petit cœur et tout, genre. Ah, on vous love. Regardez, on vous love. Trop d'amour. Voilà, trop de love. Love sur toi. Love. Qui met le pouce bleu. Love sur vous. Ouais, où ça fait très. Alors, sa cuisine était pas au top. on est dans la cuisine. On est dans la cuisine. Moi, pour la déco. Ouais, moi j'y mettrais un 2 pour la cuisine. Parce que franchement, il manquait de sel. Il y avait trop d'eau. Hein. Alors, les pâtes, tu fais pas des pâtes dans un repas. Désolé, un repas de Noël. Hein. Repas de Noël, tu fais pas des pâtes. Ah, vous savez quoi? Il m'abandonne à Noël. Ah, ouais, mais. Voilà. Vilain. Je vais faire quoi, moi, Noël, du coup? Ah, bah. Voilà. Tu vas voir papa? Ah, non, il le fait pas, je crois. Il le fait pas, Noël, papa. Bah, moi, chez toi. Malheureuse. Franchement, tu veux faire quelque chose à Noël? Trouve-toi un mec, il va dans sa famille. Pourquoi pas? Et bien hola. Bonjour. Et bien bonjour. Bonjour. Et hola, bienvenue dans le nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. En fait, je me suis rasé, mais en fait, j'aurais jamais dû me raser. Après, j'ai pas fait gaffe avant d'entrer parce que je voulais pas le vlog. Je n'aurais jamais. On est dimanche. Premier. Et on vous souhaite un joyeux Noël. Un bon. Bonne année. Un bon calendrier de l'Avent, cherchez-nous. Du coup, on a dormi là. C'était pas possible. Du coup, ouais. On a dormi là. Et du coup, on a joué à Pictionary. Non, pas Pictionary, à Tabou. À Tabou. Et Corinne et moi, on s'est fait laminer. Laminer, je suis trop forte. Ouais, j'avoue. Là, on va rentrer à la maison parce que les deux enfants ils veulent leur calendrier et puis tout ça. Puis et nous, voilà. On a acheté notre sapin là. Et nous, qui dit dimanche, dit. Brocanche. Non, bah, si. Si, ça va pas, c'est brocanche. Marc Aurignanche, il y a une brocanche. Ouais, brocanche. Et je suis pas sûr que je qui en ai. C'est brocanche. Donc c'est brocanche. On va rentrer à la maison. C'est brocanche et sa poche. Je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être des activités de Noël. Bon, allez, voilà. Nous on rentre à la maison. Et tout pour moi. Et tout, bonne fête, bonne année, voilà, bonne santé, parce qu'on voit pas avant. Bah, ouais, bah ouais, désolé. C'est vraiment mal fait. Bon, enfin bref, je vous retrouve à la maison.
est 21h45, 47 exactement. En fait, j'allais pas reprendre la caméra et la reprendre que demain pour la suite du vlog demain. Et j'ai reçu un petit SMS de ma copine Delphine qui m'a dit t'as ouvert ton enveloppe. Et là, je me suis rappelé qu'en fait, elle m'avait envoyé une enveloppe. Et quand je l'avais ouvert la dernière fois, il y avait un paquet dedans. Et il y avait un petit mot. Je vais revoir parce que je me rappelle plus trop. J'ai regardé vite fait. Alors, dans l'enveloppe, hop, il y a un paquet. Il y a un sucre-torche. Il y a une petite enveloppe. Il y a un thé crème irlandaise. Je crois que ça ressemble au sachet de thé de l'instant d'apparition, mais je suis pas sûre. Et sachet de thé. Et donc, il y a ça. Donc elle m'a envoyé ça il y a quelques semaines. En fait, je l'ai reçu genre soit le même jour, soit le lendemain où j'avais reçu l'enveloppe de Daisy pour mon anniversaire. Et dans le petit mot, il y a écrit que c'était un cadeau d'anniversaire qui arrivait un petit peu tôt. Qu'elle me souhaitait un joyeux anniversaire. Donc en fait, sur le coup, je me suis dit que je n'allais pas l'ouvrir. Donc j'ai envoyé un texto. Et elle m'a dit que je pouvais l'ouvrir plus tôt et que bah, au pire, je pouvais l'ouvrir le 1er décembre. Donc on est le 1er décembre, donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc c'est un petit peu, donc c'est un cadeau d'anniversaire à l'avance. Delphine, pour resituer, c'est la personne avec qui normalement j'ai fait tous les swaps tous les ans. Voilà. Mais cette année, bah, avec la situation, on n'a pas pu le faire. Puisque bah, j'ai pas trop le temps, j'ai pas eu les finances. Et voilà, surtout les finances et le temps, mais voilà, un peu. Donc on n'a pas pu le refaire. Mais elle m'a envoyé quand même un petit paquet pour mon anniversaire. Enfin bref, je vais ouvrir du coup. J'ai pas du tout d'idée. C'est comme ça. Je sens des trucs, ça sent bon, c'est tout ce que je peux vous dire, mais je sais pas du tout, j'ai pas du tout d'idée, parce que c'est un paquet rectangle, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de paquets dedans. Mais enfin bref, je vais ouvrir, excusez ma petite tête fatiguée entre les deux, hein, parce que là, je suis KO. Alors, je crois que c'est un mini calendrier de l'avant, c'est un mini calendrier, mais je comprends pas c'est quoi, j'ai pas d'idée. Je sais pas comment vous montrer. Regardez. Je vous montre une partie. Ah, ça reflète. Ça sent super bon. Attendez, je finis de l'ouvrir. C'est plein de petites boîtes. Comme ça. Et ça sent bon. Mais ça sent trop bon. Je me demande si c'est pas des tartelettes. Et ça ressemble à l'instant de parfum. Donc je me demande si c'est pas un petit calendrier d'avant de l'instant de parfum. Je crois qu'elle en a fumé. Je peux pas dire des bêtises. Parce qu'il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Bref, on est le premier. Alors, je sais pas si c'est Delphine qui l'a fait ou pas en fait. Ah, mais en fait, je sais même pas si c'est elle qui. Parce qu'elle en est capable, hein, de faire des petits trucs comme ça. Mais ça sent trop bon. J'ose pas, je comprends pas. Parce que ça ressemble vraiment trop au truc de l'instant d'un parfum en fait. Il lui dit les perdus. Bon, bah, je vais ouvrir du coup parce qu'on est le premier. Et on dirait presque des tampons. On pourrait presque réutiliser en tampon, c'est trop marrant. Alors, vanille de Noël, c'est ça. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent fort, mais ça sent trop bon. C'est. Regardez, il y a écrit. Et c'est bien des petites tartelettes. Et c'est trop mignon parce que c'est en version tout petit. Ça sent super fort, mais je pense qu'après dans la pièce. Donc, connaissant le style, heureusement que je le sais à peu près parce que sinon j'ai envie de le croquer quoi. Mais je pense que c'est des tartelettes. Ah, du coup, j'en aurais un par jour. Ça serait trop bien. Ça sent trop bon. C'est trop kiffant. Je connaissais pas. Enfin, en fait, je connaissais pas. Je savais un peu que l'instant d'un parfum le faisait. Mais je sais même pas si c'est elle ou pas. Du coup, je parle de l'instant d'un parfum, mais je sais même pas si c'est elle. Ou si c'est Delphine qui l'a fait. Mais je sais pas du tout. Il y a rien. Il y a pas de mots. Ah, mais c'est trop kiffant. Ah, ça sent trop bon. Ah, j'ai envie de faire ma curieuse maintenant. Je crois qu'ils sentent tous bons en fait, c'est ça. Je crois qu'on va découvrir des senteurs tous les jours, les copains. Ça a l'air d'être ça. Oui, c'est ça. Ouais, je spoil pas plus parce que. Ah, c'est trop cool. En plus, vous le savez, j'adore faire ça à Noël tous les ans, au mois de décembre. Je mets tous les jours un truc. Bon, aujourd'hui, j'avoue que je l'ai pas fait. Ah, c'est dommage que je l'ai pas ouvert plus tôt, du coup. Parce que du coup, j'aurais pu le mettre cet après-midi. En plus, j'ai fait des gâteaux et tout. Ça aurait été trop bien. Ah, c'est trop bien. Ah, merci beaucoup Delphine, entre temps je vais t'avoir envoyé un SMS, donc j'en saurai certainement plus sur tout ça et moi je vous en dirai plus dans les prochains vlogs. Donc on va se retrouver bah, dans les prochains vlogs au moins
pour l'ouverture de cette petite senteur. Elle sent trop bon. Ça sent fort, mais ça sent trop bon. Oh, je suis trop contente. Surtout quoi, j'ai pas de calendrier à ouvrir cette année, alors du coup j'étais un petit peu morose aujourd'hui, j'étais un petit peu triste ou nette parce que ça me fait bizarre. Parce que ça, on l'a fait 2 années de suite avec Delphine. Et l'année d'avant je l'avais fait avec Mélanie me semble, ou avec une autre copine. Et puis l'année d'avant j'avais fait avec Mélanie, bref ça fait au moins 5 ans que je fais des calendriers swap. Alors du coup ça me faisait un petit peu mal au cœur ce matin quand, quand j'avais pas de calendrier. Donc du coup c'est trop bien, j'avais que... Je peux compter sur ma petite Delphine pour me remonter le moral et ça fait trop plaisir. J'ai trop hâte d'être à demain du coup. Alors finalement le 1 je vais pas le faire brûler parce que là il est 22h donc je vais pas le faire brûler. Je le garderai peut-être pour un autre jour. Comme c'est des petits, c'est vrai que c'est des tout petits. Alors comme c'est vrai qu'en plus il a l'air de sentir bon, peut-être que je le garderai sur un jour où j'aime peut-être moins. Mais c'est pas très grave. Voilà, ça me fera du rap pour plus tard. J'adore vraiment trop. Alors Delphine elle va mettre un commentaire quand elle va voir ce vlog et puis elle va redire en commentaire si c'est elle qui les a fait ou est-ce qu'elle a acheté parce que voilà tout ça. Et puis j'épinglerai le commentaire pour que vous puissiez le lire parce que Delphine c'est une ouf. Alors peut-être qu'il arrivera pas tout de suite parce qu'elle regarde pas toujours le jour même parce qu'elle travaille etc. Mais n'hésite pas à revenir sur le vlog pour pouvoir lire en dessous le jour où j'en saurai plus. Et puis sinon je te l'en dirai plus dans les prochains vlogs. Voilà, merci Delphine, je te l'aurais déjà dit de toute façon par SMS, c'est trop gentil. Je vais l'installer, je pense, avec le reste. Ouais, je pense que je vais aller mettre toutes les petites boîtes dans le décor des enfants. Ou peut-être devant ma télé, je sais pas. Je vais trouver une petite place pour ces petites boîtes qui sont trop jolies. Parce qu'elles sont toutes décorées, regardez. Avec un 13 et puis un petit bonhomme. Et puis là, il y a un 18 et puis un petit truc. Franchement, c'est bon. Je pense que les boîtes, c'est qu'elle a dû les décorer. Je pense. Ah mais j'en sais rien, il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de mots. Ah, c'est horrible, c'est horrible de rien savoir. Bon, si j'en sais plus, je vous en dirai plus, hein, promis. En tout cas, merci beaucoup Delphine. Et puis nous, on se retrouvera très vite. Alors finalement, je voulais vous retrouver demain, mais finalement, je vais clôturer ce vlog et on se retrouvera dans un autre vlog prochainement. Donc pas de Christmas vlog, hein, je le répète, hein, parce que je n'aurai pas trop le temps. Mais promis, je vais essayer de les mettre un peu plus régulièrement, pas de faire des trucs sur une semaine. J'essaierai de faire 1 ou 2 jours. Allez, 2 jours maximum. On essaye de se faire ça même si c'est des petits vlogs. Parce que de toute façon, je pense que vous allez vouloir au moins voir les bêtises de Noël. Vous allez vouloir voir le calendrier de l'Avent. Bon, les enfants, il n'y a pas trop de surprises parce que c'est que des chocolats. Mais voilà, vous verrez leurs petites mains les ouvrir. Donc ça, c'est déjà trop cool. Et puis, surtout, voilà, Noël, etc. Donc j'essaierai de publier beaucoup plus. Je vais essayer de faire tous les 2 jours, mais je promets rien. Mais surtout d'avoir du contenu parce que je sais que, par exemple, le week-end prochain, ils sont avec leur papa. Alors du coup, moi, je sais que je vais rien faire. Alors je sais pas ce que je vais vous montrer, t'as vu. Mais promis, je vais essayer de faire plus de trucs. Voilà. Bref, sur ce, j'arrête l'ASMR. J'espère que cette petite vlog vous aura plu. N'hésitez pas avec le petit pouce, le commentaire. Vous pouvez partager parce que ça me fera trop plaisir. Vous pouvez vous abonner aussi parce que ça me fera trop plaisir. Voilà. Genre, un abonné, c'est bien aussi. Et puis tu pourras aussi revenir la prochaine fois. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait tellement longtemps qu'on va attendre cette séquence. Des blagues, des blagues, des blagues. Voilà.